Bonjour, Ozak. Je suis Ronan Tronchot, je suis le réalisateur de Paternel. Que nous favorable, nous qui l'avons érigé comme le signe de notre foi. Alors Paternel, ça raconte l'histoire de Simon, qui est un prêtre dévoué à sa paroisse, qui découvre un jour qu'il est le père d'un enfant de 11 ans qu'il a eu avant d'être ordonné prêtre. Forcément, ça remet en question sa vocation et ça vient aussi questionner les règles de l'Église concernant la vie privée des prêtres. Simon ? Louise ? Oui, ça fait longtemps. C'est ton fils. C'est le tien aussi. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique en Bretagne. Mes grands-parents étaient très, très pratiquants. Et mes parents, un peu moins, mais ils nous ont transmis la culture catholique. Et moi, je me suis longtemps questionné par rapport à la foi, par rapport aussi au fonctionnement de l'Église. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait partie de moi, en fait, tout ça. C'est très, très émouvant, en fait, de voir son premier long-métrage présenté comme ça, dans les yeux, en tout cas, des spectateurs. En cas de Paternel, c'est 6 ans de travail, 6 semaines de tournage, plusieurs mois de montage. Donc forcément, c'est très émouvant et puis très stimulant. Je voulais pas tomber dans la caricature, dans les clichés, en fait, sur les prêtres. Je voulais montrer vraiment un portrait réaliste d'un prêtre au XXIe siècle en France. J'avais vraiment pour intention de poser des questions sans apporter forcément de réponse. L'amour paternel, il n'a pas de limite, il n'a pas de règles en fait. Il va au-delà de tout ça. Pourquoi tout le monde t'appelle mon père et moi je peux même pas t'appeler papa? Alors le film sort le 27 mars 2024. J'espère le maximum de salles en France.